Allez, direction l'aile d'astronomie pour une nouvelle mission avec sonner les cloches. Une aile de Poutsouf aperçue dans l'aile d'astronomie semble contrarier, peut-être que je peux l'aider. Je pensais pouvoir compter sur son aide. Excuse-moi, est-ce que tout va bien? Non, pas du tout. Nous n'avions plus que 2 cloches à remettre avant qu'elle ne décide de tout gâcher. Pardon, mais je ne te suis pas. Qui a tout gâché? Et quelle cloche? Le professeur Black a ordonné à Monsieur Moon de retirer les cloches du clocher, soi-disant qu'elle lui donne la migraine. Ces cloches font partie de Poudlard. Je n'allais quand même pas les laisser faire. Alors j'ai demandé à mon amie Adélaïde de m'aider à les remettre. Nous avons toujours été inséparables. Adélaïde et Evangeline, Adi et Evie. Bref, tout allait bien jusqu'à ce que Black commence à suspecter quelque chose. Et tout à coup, enfreindre les règles la mettait mal à l'aise. Maintenant, je ne peux rien faire. Impossible de dire quelle cloche va où. C'est vraiment si important de remettre ces cloches? Est-ce que c'est vraiment important? Oui, elles font partie de l'histoire de l'école. Merlin les entendait sûrement quand il était en retard pour un cours, où elles indiquaient à Ignacia Wildsmith qu'il était l'heure de dîner. Nous ne devons pas altérer l'histoire. Nous sommes censés en être les gardiens. C'est une décision étrange, même pour Black. Enlever les cloches pour une migraine? C'est vrai. C'est peut-être parce qu'elles interrompent ses siestes. Il passe son temps à dormir dans son bureau. Mais j'ai entendu dire que... Tu peux garder un secret? Bien sûr. Eugenia a dit à Ollie, qui l'a ensuite dit à Alice, qui me l'a dit. C'est parce que les cloches lui rappellent le jour de son mariage. Ça le met en sueur toutes les heures quand elles sonnent. Mais... chut. S'il ne reste plus que 2 cloches, n'est-il pas facile de connaître la place de chacune? Facile à dire pour toi, mais je n'ai aucune sensibilité musicale. Ma mère dit toujours que même si ma vie en dépendait, je ne pourrais pas chanter juste. Cela n'aurait aucun intérêt de les remettre si elles ne sonnaient pas parfaitement comme avant, par souci d'exactitude historique. Je peux peut-être t'aider à remettre les cloches. Vraiment? Ah, ce serait merveilleux. Les cloches sont dans le clocher, juste au-dessus de la salle de musique. Tu es certainement plus utile qu'Adélaïde. Les cloches sont sûrement dans le clocher. On va suivre le guide. Hein. Cette rayesse m'envole. Ça se rapproche. Les cloches doivent être en haut. Ah, les voilà. Je vais devoir les monter. Peut-être avec Wingardium Leviosa. Il y en a 2. Wingardium Leviosa. Ce n'était pas si compliqué. Evangeline devrait être contente, même si Black risque de ne pas apprécier. Tirons-nous de là, mes oreilles. Les cloches sont de retour, Evangeline. Tu fais honneur à l'école. J'ai hâte de les entendre. Et j'ai hâte que le directeur les entende. J'aimerais bien voir sa tête. Les générations futures ne sauront peut-être pas apprécier ce que tu as fait, mais moi si. Et j'espère que tu peux l'apprécier aussi. Tu n'imagines pas ce que ça représente, pour moi et pour Poudlard.